Au nom de Bétex, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour entendre l'exposé de Bastien Dakar, qui est notre premier gagnant au concours qu'on a organisé, qui s'intitule ma première conférence. Donc, l'automne dernier, on avait fait une proposition de candidature que pour les étudiants qui voulaient présenter une conférence au Cégep. Et puis, on a eu 6 candidatures. On a eu différentes thématiques, comme l'empreinte écologique, le féminisme, ou encore la santé mentale, mais finalement, ben, le comité s'est arrêté sur la conférence de Bastien, qui s'intitule « Pourquoi les Français sont-ils si snobs? » C'est une conférence humoristique. Juste quelques mots sur Bastien. Bastien est originaire de la région Auvergne, en France. C'est dans le centre de la France. Et puis, étudiant en technologie minérale au Cégep. Alors, Bastien? Ben, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je m'appelle Bastien Decor. Il y a beaucoup de technologie pour moi, c'est super. Alors, pourquoi les Français sont-ils si snobs? Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question en une demi-heure, parce que c'est un peu comme si on voulait compter le nombre de Tremblay au Saguenay. C'est courageux, mais on ne va pas y arriver. On va d'abord voir un plan hyper détaillé pendant 2 petites secondes. Ensuite, on verra l'aspect historique, social et culturel. Et on va voir plus des différences, des anecdotes ou des petites curiosités entre nos deux pays. Enfin, entre mon pays et votre jolie province. Hein. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, la garder maintenue pendant 26 minutes, je ne compte pas y répondre. On va commencer. Un dromadaire, deux dromadaires. L'aspect historique, on va voir ça en 4 parties. La Gaule, c'est-à-dire la France à ses débuts en soi. Ensuite, l'avant-révolution, l'après-révolution. On va passer sur le Moyen-Âge, on sait tous que c'est des chevaliers qui draguent des princesses, qui n'arrivent jamais à les pogner, qui au final vont finir avec des filles dans des fermes sur un tas de foin, donc on s'en fout. Et on va finir par l'après-guerre, quand je dis l'après-guerre, c'est après Première et Deuxième Guerre mondiale. La France, au départ, c'est ça en 481 après Jésus-Christ, ça s'appelle la Gaule. Et on a 3 grosses culture, on va dire 3 groupes peuples. On a les Celtes, qui couvrent la quasi-totalité de la Gaule, plus le Royaume-Uni, et l'Espagne. On a les Proto-Basques, qui sont en orange en bas à gauche, et les Ligures, qui ont un joli nom, rose-rouge là-bas, là sur la droite. On s'en fiche un peu, mais c'est comme ça. Et on a des illustrations de ce que pouvaient être les Gaulois, avec le 5e, qu'on va qualifier d'afro-gaulois. Je ne sais pas trop pourquoi il a ça sur la tête, mais il est très joli. Le problème de cette société, c'est qu'on avait une fâcheuse tendance à se battre tout le temps. Les Astérix et Obélix, ce n'était pas très exagéré. Et ça, ça a une explication logique, entre guillemets. C'est à cause du système de l'époque. Leur système était basé de la manière suivante. Tout en bas, on avait les serviteurs. Ensuite, on avait les paysans, les artisans, les guerriers et les druides. Et ensuite, le chef ou la reine. Donc, juste en dessous du chef ou de la reine, il y avait les guerriers et les druides. Les druides s'occupaient de l'aspect religieux, et suivant la religion celte en général, il fallait que l'homme soit un héros accompli, qu'il ait fait des exploits guerriers, etc. Donc, les guerriers, qui étaient au même niveau, se disaient « Ah bah c'est super, on va aller taper sur notre voisin pour entrer dans l'histoire, la légende, etc. » Seul problème, c'est que ça a permis à Jules César de nous conquérir joyeusement, étant donné qu'il s'alliait à un peuple pour taper sur un autre, il se retournait sur l'autre, et ça nous a mené à quelques petits ennuis, notamment la conquête de Jules César. Mais ça a aussi amené des héros qu'on connaît généralement tous, avec Vercingétorix, qui est le plus connu, qu'on retrouve dans Astérix et le bouclier Arverne. Je pense pas mal d'entre nous l'ont lu. Avec l'Auvergnat qui va dire à Astérix, Allégia, je sais quoi, chez Allégiane ou chez Allégia. On ne parle pas comme ça, malheureusement, je ne sais pas trop pourquoi. Mais mesdames, pas de souci pour vous, vous pouviez aussi être des héroïnes de guerre. C'est le cas de Boadicée, reine des Iceni, un peuple celte du Royaume-Uni, qui, après s'être battue contre Jules César, est entrée dans l'histoire et a eu une jolie statue en bronze sur un pont à Londres. Malheureusement, pour rentrer dans l'histoire, il a fallu qu'elle se fasse écartelé après que toute la Légion romaine lui soit passée dessus, probablement. Donc, mesdames, hein, c'est vous qui choisissez. Caractéristiques du français à l'époque, moustache et cuir, car les deux vont ensemble, on le sait tous. Pantalon, qu'on appelait les brés, la cape et un glaive, beaucoup plus grand que celui des Romains, parce que la taille, des fois, bah, ça compte, hein, je suis désolé. Torse nu, cheveux longs, rocker, une pose virile, mais pas trop. Hein. Alors, remarque la petite main comme ça, là, c'est bien, c'est délicat, c'est super.
Après, on se demande, notre réputation, d'où elle vient. Ensuite, la France avant la Révolution, c'est beaucoup, beaucoup de dépenses, avec notamment Louis XIV. Louis XIV, 1m84, 72 ans, deux femmes, au moins 15 maîtresses, les enfants, j'en parle même pas. Il en a eu autant que... je sais pas, là. Autant que Tremblay au Saguenay, encore une fois, on peut le dire, peut-être. C'était un monarque absolu de droit divin, c'est-à-dire qu'en plus d'être un roi totalement absolu, il a intégré le fait qu'il est de droit divin, qu'en gros, si vous aviez une plainte, adressez-vous à Dieu, si vous n'arrivez pas à le trouver, bah, tant pis, il reste droit. C'est un roi qui va garder sa cour à proximité en faisant de sa vie un spectacle. C'est le premier véritable, si on peut dire, la première véritable télé-réalité de l'histoire, dans le sens où du réveil jusqu'au coucher, tous ses courtisans étaient avec lui, donc il les gardait sous la main et il n'y avait pas de complot possible. C'était très malin de sa part. Accessoirement, c'était un mégalomane aussi qui collectionnait des chaussures de ballet, plus de 2500 paires. Il était d'ailleurs très très triste de ne pas avoir trouvé une paire en particulier, mais à l'époque tout le monde s'en foutait sauf lui. Autre chose, ça c'est pour vous mesdames, encore une fois, il avait les dents pourries, une partie du palais arrachée et il sentait terriblement mauvais. C'est génial, tant et si bien que ses maîtresses devaient mettre un parfum, un mouchoir imbibé de parfum pour pouvoir avoir des relations avec ce monsieur. C'était super d'être la maîtresse du roi à cette époque. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah bah oui, il a fait Versailles, hein, qui a coûté en frais d'entretien 37 millions de dollars canadiens par an à l'époque. Vous plaignez pas après si vous roulez de côte chère. Hein. Nous, on a eu Versailles pendant un moment, hein. C'était déjà pas mal. Ensuite, un peu plus tard, quelques décennies plus tard, on a eu Louis XVI, 1m93, 38 ans. Sa femme, c'était Marie-Antoinette. Il a eu 4 enfants. Il était un peu moins performant que l'ancêtre, mais bon, hein, on va pas y en vouloir. C'était une force de la nature, au sens propre du terme. On a beaucoup de, comment dire, de témoignages, voilà, pardon, témoignages qui disaient que son jeu, le préféré pour épater la galerie, il faisait asseoir un jeune page, c'est-à-dire un jeune garçon d'environ 12 ans, dans une pelle, et il le soulevait à bras tendus comme ça. On a beaucoup de témoignages qui confirment. Donc, pour l'équipe de foot, celui-là, clairement, vous le mettez devant. Malheureusement, l'histoire a retenu quelqu'un de simplé à cause de son physique pas très ingrat. Il avait un gros cou très bovin, mais c'était quelqu'un de très cultivé, très intelligent, passionné par la géographie et la mécanique. Il a amélioré lui-même la guillotine en disant « Bah non, si tu mets une lame horizontale qui tombe, ça va se coincer, ça va être difficile à enlever, alors que si tu mets une lame oblique, ça va bien couper. » Il a pu la tester 11 mois plus tard. Pauvre homme. Il avait une femme dépensière, hein, messieurs, quand vous vous plaignez que votre copine vous fait payer le lunch ou des bêtises comme ça. Celle-là, elle dépensait 7% du budget du royaume tous les ans. Alors, on va se calmer. Ensuite, on a eu la fameuse Révolution. Toutes ces dépenses et tous ces excès ont amené la Révolution française, qu'on connaît tous, avec ce magnifique tableau dont personne n'aura remarqué le petit personnage ici qui a une sale tête, étant donné qu'à l'époque, on avait compris qu'une poitrine en évidence, c'était vendeur. Décapitation de Louis XVI et toute sa famille en 1793, proclamation de la République, ça y est, on s'est débarrassé de nos rois, on est dans une république, c'est le changement. Ben, en fait, pas tant que ça. Parce qu'on s'est débarrassé de nos rois, c'est super, et nos voisins se sont dit, il n'y a plus personne aux commandes, on va les envahir. Fort heureusement, on a eu un général très compétent qui nous a défendus, mais qui s'est aussi dit, eh ben, tant que j'y suis, je vais prendre le pouvoir. Résultat, après notre République, on a eu un coup d'État en 1799 et Napoléon Bonaparte devient empereur. Donc dès le départ, si vous voulez, on s'est bien fait avoir. Le français de l'époque, qu'est-ce qu'il a de différent? Une petite moustache fine, une petite perruque, des petits collants, des petits froufrous, une grande canne aussi, puis une cape, des talons hauts et du maquillage, ne me demandez pas pourquoi. Il y avait des talons hauts, peut-être un complexe, je ne sais pas. Et une pose arrogante, mais pas trop. On commence à voir l'attitude de français, peut-être que j'ai en ce moment et que vous trouvez désagréable, mais c'est tant mieux. On va voir maintenant les deux guerres mondiales. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, c'est barbant, on s'en fout. On va plutôt voir les différences, à quel point on était performant, à quel point on était dans notre temps pendant ces deux guerres. Par exemple, au niveau armement, on était au taquet, on avait des fusils à baïonnette, ils avaient des mitraillettes. Celui-là en haut, il n'est pas cassé, c'est pour viser par-dessus les tranchées. Il y a un petit miroir là sur l'eau. Ensuite, notre armée, on était joyeusement en ligne. Ils avaient des chars d'assaut. Ah là 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 là, c'est super. L'uniforme aussi, l'uniforme. C'est au cas où ils n'arrivent pas à nous viser, on avait une jolie tête rouge, des jolies jambes rouges,
Ils étaient en kaki. On s'est vite rendu compte, après l'hécatombe des premiers jours, que ce n'était pas le meilleur uniforme qui soit, mais ils étaient classe quand même. Pour la Deuxième Guerre mondiale, on a dit là, cette fois, on va se faire avoir, on va faire la fameuse ligne Maginot. Ça, vous l'aimez nous le rappeler, la ligne Maginot. On s'arrête tout de suite, ce n'est pas une ligne. C'est une série de fortifications qui sont très bien, qui sont très efficaces. Il y a de la place à l'intérieur, seulement, elles ne sont pas partout. Voilà. Ce n'est pas notre faute. En Italie, il y en avait parce qu'on se méfiait. En Suisse, il y avait montagne, on s'en fichait un peu. En Allemagne, évidemment, c'était défendu. Luxembourg, on a dit, c'est un petit pays, on va se méfier. Et Belgique, on a dit, des gens qui font que des frites de leur vie, c'est sûr que leur armée va pouvoir arrêter l'Allemagne, on va les laisser tranquilles, ils vont nous protéger. Manque de peau, les Allemands sont passés par là, quelle surprise. Alors, qu'est-ce que ça donne, le français moderne? L'image qui suit peut heurter la plupart des Français, moi, ça m'a choqué. C'est tiré d'un magazine de mode parisien, et c'est pas des blagues. Voilà, alors apparemment, le français moderne ressemble à ça. Moustache fine, cheveux mi-longs, des collants. Je ne sais pas où il a vu des collants. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on porte des collants? D'habitude, on est en jean comme ça, là, ça va très bien. Une veste avec un petit cœur, parce que oui, on a une âme sensible aussi. C'est important de le montrer. Et une pose virile, mais néanmoins fragile, vous voyez, là, l'équipe précaire, je ne sais pas. Non. N'importe quoi. Ensuite, on va voir l'aspect social avec la bise. Pour répondre aux premières questions, oui, la photo de gauche est un photomontage, le président est sur la troisième marche, Angela Merkel est tout en bas des marches, il n'est pas aussi grand. La bise se fait entre un homme et une femme, et aussi entre deux hommes, avec le président que vous voyez. Ce n'est pas la personne de dos, c'est celui de face avec un regard bizarre. Alors d'où ça vient la bise? L'explication la plus rationnelle, et celle que j'ai retrouvée le plus, c'est que ça provient de la Révolution. C'est-à-dire que en 1793, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen décrète, je cite, « Ne faites pas à autrui ce que vous ne devriez pas qu'on vous fît, faites constamment aux autres le bien que vous voudriez recevoir. » Alors, dit comme ça, ça peut paraître bateau, mais à l'époque, la bise s'était faite pour les membres de la famille, pour vérifier s'ils étaient en bonne santé, et c'était tout. Seulement, avec ce principe, on considère tout le monde comme des membres de la famille, tout le monde comme des républicains, donc on commence à faire la bise à son voisin, aux personnes de son village, etc., etc. Tant et si bien qu'à la fin, faire la bise, c'était un acte citoyen, et qu'en 1793, si vous ne faisiez pas la bise, vous n'étiez pas républicain, vous étiez un traître et décapité. C'était une question de survie de faire la bise. Donc si on vous fait la bise, vous voyez, c'est qu'on tient notre tête. Le nombre de bises dépendait de la région. Plus vous étiez royaliste, moins vous faisiez de bises. Plus vous étiez républicain, plus vous en faisiez. La Révolution est partie par Paris et ses alentours, c'est normal qu'on fait plus de bises à ce niveau-là, comme vous le voyez en rouge. L'accent, maintenant, vous dites tous, oui, les Français, ils ont un accent, blablabla, c'est faux. On va s'arrêter là tout de suite. Il y avait, à peu près du Moyen-Âge jusqu'à très très rarement, dans certains coins très perdus, typiquement le mien, il y a encore des personnes qui parlent ça, il y a la langue d'Oïl au nord et la langue d'Oc au sud. Dans ces dialectes, il y avait des sous-langues, si on peut appeler ça, des patois. Et au bout d'un moment, on a dit, on va tous parler français. Mais la manière de prononcer ces dialectes a influencé sur la manière de parler français, ce qui a donné une quarantaine d'accents différents. Donc le jour où vous allez me dire, les Français ont tous le même accent, c'est faux, désolé. Alors, autre chose typiquement français, la gastronomie française, on vous barbe avec ça, et ben vous savez quoi? Ben moi je vais continuer. Allez, on va y aller en quelques chiffres. On est entre 19 et 22 heures à table, on passe 2 heures à table, on a 4 repas. On a 1600 fromages au minimum, sans compter ceux où les pasteurisés, si on compte tous, on est à plus de 3500, donc votre fromage Pouit-Pouit, il est super, mais on s'en fout. Comment vous voulez lutter? Je suis désolé. On fait 14%, 16% de la production mondiale de vin et on en consomme 14%. Avec les bénéfices de l'industrie du vin, on pourrait acheter des dizaines d'avions de chasse par an. Ça ne vous servirait à rien du tout, mais on peut le faire. Et ça, c'est beau. Charles de Gaulle avait dit « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ?» Il était loin du compte. Churchill lui avait dit « Les Français, c'est les seuls qui peuvent se permettre d'avoir un fromage différent par jour à leur table. » Il était aussi loin du compte. Et là, vous allez dire « Oui, oui, les chefs français, blablabla, c'est pas les meilleurs. » Voilà le top 10 des chefs 2015. On va compter les Français tous ensemble. Premier Français, deuxième Français. Troisième, on s'en fout. Quatrième, on s'en fout. Et encore des Français. Mais c'est alors, quelle surprise. Et là, vous allez dire « Mais... Il va s'arrêter. Ben non, on est même dans les films. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ratatouille, dans Hôtel de ciné avec Auguste Gusteau, qui est interprété par Auguste Gusteau lui-même, mais qui est inspiré par Bernard Loiseau, qui était un chef très médiatique dans les années 90. Voilà.
c'est comme ça. Et là, la première remarque que vous allez vous faire, c'est « Oh mon Dieu, ils sont partout !» Oui ! Et on l'assume. Le second degré, l'humour à la française. Merci Boromir, c'est pas qu'une température. C'est un humour que vous avez dû entendre avec, de la part des Français, où ils disent souvent des choses qu'ils ne pensent pas, mais que vous pouvez trouver vexantes. La plupart du temps, ça l'est, parce qu'on fait semblant de ne pas penser, mais on pense très fort. Mais des fois, c'est de l'humour. Comme là, ce que je viens de dire, peut-être que c'en est, peut-être que c'en est pas. Quelques humoristes à l'appel, hein. Jamel Debbouze que vous avez pu voir dans Astérix Obélix par exemple, ou Franck Dubos qui est tout là-bas ou à droite, qui est très copain avec Stéphane Rousseau par exemple. Il y a aussi eu des émissions type, très connues, la plupart sur Canal+, à chaque époque, qui ont marqué le paysage français, on va dire ça comme ça, c'est une belle formulation. Et vous allez voir que si ça marche, mais oui, ça va marcher. Vous allez voir que on a un humour des fois qui a pas trop de frontières, pas trop de bornes. Karen, pas trop de... nous avons pensé que vous aviez votre place au club. Vous êtes jeune, belle, et vous gagnez plein de thunes. Juste, nous n'accueillons que des couples. Il vous faut donc un cavalier jeune, beau, thuné et bien portant. Oui, alors, les pauvres qui en plus ont une seule gueule, c'est déprimant. Ah oui. Cependant, nos critères sont draconiens et je doute que vous trouviez votre bonheur à cette table. Bah oui, ça m'en fout, ça. Il y a un âge à ne pas dépasser et une taille minimum à respecter aussi. Oui. Vous voyez, les oreilles aussi doivent ne pas dépasser une certaine amplitude. On dit la grosse, je t'ai rien demandé. Alors, hein, pensez-y, Karen. Pensez-y. Oui, pensez-y, car si plus de gens faisaient comme nous, bientôt tout le monde serait comme Richard et Cindy, jeunes, beaux et pleins aux as. Ouais, et malgré une verrue et une toute petite bite. Merci de nous avoir reçus. Oula, j'ai oublié celui-là. Alors, comme vous pouvez le voir, ça, dans les années 87-95, ça se travestissait. Là, c'est ce qu'il y a de plus soft. Il y avait aussi d'autres personnages, de Coné Garcia comme Didier Lambrouille, ou d'autres beaucoup plus dégueulasses que je ne vais pas vous montrer parce que c'est vraiment dégueulasse. Il y a aussi les fameuses guignols de l'info de 1988 jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des imitateurs qui font les voix de vraies personnalités politiques françaises ou étrangères qui sont reproduits en marionnettes. Pour le sketch qui va suivre, pour information, le Charles de Gaulle est un porte-avions. Ils lui ont mis une grosse pression, regardez. Mahmoud, c'est super sympa que tu aies accepté cette réunion trilatérale, mais... on est tous crevés, là. Tu veux pas faire un effort? Mais si, je vous dis que l'Iran ne prépare pas de bombes atomiques. Ah ouais? Et ça c'est quoi? Le plan d'un mini-golf? Ça pourrait. C'est pas un petit moulin, là? Je vais craquer baraque, hein? Je sais pas ce qui me retient. Mahmoud, moi, je veux bien te croire, mais je sais pas si je vais pouvoir retenir Nicolas. Je peux vous poser une question? Bien sûr. J'adore votre petit numéro du flic gentil, du flic méchant. Mais pourquoi c'est lui qui fait le méchant? Hein? Parce que qu'est-ce qu'il peut me faire? Il m'a envoyé l'armée française. Oh putain, je veux le faire. Non, relax, Nicolas. Excuse une seconde, Mahmoud. Il a raison. Peut-être que je devrais faire le méchant. Mais pourquoi? Tu sais bien, ton armée, tout ça. Quoi, mon armée? Qu'est-ce qu'elle a, mon armée? Elle est super! Envoie-la-moi! Il n'y a pas de raison qu'il y ait que les Afghans qui rigolent! Tu trouves ça drôle, Barak? Non. Et oublie pas tes avions qui seront dedans, hein? On économisera des missiles! C'était pas la faute des avions, c'est les pilotes! Oui, on sait, ils ont raté leur créneau sur le Charles de Gaulle! Oh putain, il y a le Charles de Gaulle! Je l'avais oublié, lui! Une péniche géante avec deux lance-pierres! On se rend! Barak, tu me déçois, t'as pas idée, hein? Quand t'as toi, prépare-toi au pire. Et le pire, c'est la guerre. Oui, exactement. Surtout pour les Français. Et un petit dernier service après-vente avec Omar Sy, qu'on a pu voir dans Intouchables. C'était dans ses débuts, 2005 à 2012, où là, on se moque un peu de notre accent anglais, parce qu'il faut dire qu'il est very well. Service après-vente, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici le commandant de bord. Ladies and gentlemen, this is Captain speaking. Je vous souhaite une bonne année à tous. I hope you wish a Merry Christmas to everything. Bienvenue à bord de la 380, le plus gros avion du monde et le plus grand. Welcome on board to the A380, the big most height plane of the world.
Nous sommes fiers, we are fierty. Savez-vous que vous pourrez avoir des distractions pendant ce vol? En plus du champagne. Along this flight, you have a lot of distraction with the champagne, but vous pourrez aller faire du tennis au fond. Il y a de la place ainsi que de la piscine, hein, sur cette piscine olympique, et des promenades en forêt. You can go to the swimming pool on the A380, promenade en forêt. Et vous embrassez derrière les platanes, pension porte, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Alors, maintenant voyons l'aspect culturel. Est-ce que le français est râleur? Non, je ne râle pas, je communique. Suivant des articles très sérieux et sûrement très intéressants, les Français estiment que s'ils râlent beaucoup, c'est parce que si dans la vie on ne râle pas, on se fait marcher dessus. Ça, c'est Mediapart. Et les Français sont encore taxés d'arrogance et de critique systématique, d'être les membres d'une société bloquée, d'incapacité. On les aime. Hein, on s'en fout, c'est pas du tout ça. Hein, j'ai aucune raison de râler, j'ai pas une tête à râler. Et ça, de toute manière, qu'est-ce que ça pourrait être sinon des bêtises. Aucune raison de râler. N'importe quoi. J'aimais bien cette image. C'est juste pour ça. Mais oui, c'est vrai, on aime bien se plaindre en règle générale. C'est culturel. On aime rouspéter. On n'est jamais content, en fait, mais c'est culturel et c'est pas méchant. C'est juste une observation objective de notre situation. Alors au final, snob ou pas snob, on va finir sur un petit bébé. Ça fait toujours de finir sur un petit bébé. Ça attendrit ces dames. Les garçons voient ce que ça va devenir dans quelques années. Ça va vous réveiller à 4 h du matin. Vous allez pouvoir lui mettre un petit béret, une bouteille de vin, tout ça, c'est super. On va conclure tout ça. Hein. Physiquement, c'est vrai qu'il y a l'attitude, selon les magazines de mode parisiens, hein, notamment la personne de droite, croisement avec Louis XVI, vraisemblablement. Mais c'est super. Historiquement, on a un lourd passé. Il y a Charlemagne, Jeanne d'Arc, Louis Pasteur, Victor Hugo, les conquêtes coloniales. Ah, le Québec a sa bonne place, autant pour moi. Et un autre problème, si on peut dire. Est-ce qu'on a une tendance à se vanter un peu? Le symbole de la France, c'est quand même le coq, qui est un personnage orgueilleux. Donc oui, un peu tendance à se vanter, mais pas trop quand même. L'accent, on a vu précédemment que non, c'est pas un accent français général. Il y a beaucoup d'accents. Et celui que vous entendez pour la plupart d'entre vous, lorsque vous allez en vacances, etc., c'est l'accent parisien. Ces personnes insupportables qui dictent la mode avec des collants et des petits cœurs sur les vestes. Wow. Dégueulasse. On a une réputation exagérée. Il fallait que je finisse là-dessus. Hein. Vous nous voyez tous comme ça, c'est super. Il y a un Français là-bas, s'il est comme ça, vous me direz. Hein. Il est où ton béret, Oli? J'ai oublié. Ah, moi aussi. Une réputation exagérée, mais entretenue. On est loin du stéréotype français avec le béret, la baguette et la marinière et sa petite bouteille de vin. Mais c'est normal, parce que déjà, ce n'est pas du tout pratique. Et ensuite, notre réputation est souvent transportée par quelques rares touristes qui sont désagréables avec les gens du pays dans lequel ils visitent. Et le fait que l'on se vante en règle générale, que l'on soit fier de notre passé, ça ne va pas nous aider à nous détacher de cette image-là. Je vous remercie de votre attention et puis j'espère que ces petits détails vous auront aidé à comprendre un peu les différences. Si vous avez des questions, là vous pouvez les poser.